Près du guide, je ne redoute ni pleurs, ni chute, ni chaque. Conduit par toi, c'est le guide. Je me dirige vers les cieux et mon sentier. Sous ton égide devient toujours plus radieux. Donc, pendant qu'on a essayé de continuer avec grande ligne, grande leçon, ou bien grand sujet, c'est-à-dire grand titre que Matthieu, chapitre 23, lui-même, lui présenté, lui parlé avec lui. Nous regardons, nous voyons dans liste là, c'est que ce n'est pas seulement Jésus qui a commencé à parler de quelques bagailles, mais nous voyons Jésus a continué à parler de un bon sujet qui est important. Donc, pour raison ça, nous avons suivi et puis by quelques détails concernant bagailles si la yoa. Nous arrivons qu'on y a un verset que nous avons un peu introduit, verset 24 avec verset 25, et spécialement verset 24 là qui dit que mon pharisien yo te concentré yo sur le nettoyage du dehors, un nettoyage extérieur, un nettoyage qui regardait l'extérieur. Et puis Jésus t'a suggéré que yo ta doit plutôt considérer ou bien commencer avec un nettoyage intérieur, un nettoyage interne. Et là yo fin fait nettoyage au niveau du dedans ça, li ta poil nécessairement reproduire au dehors. Donc c'est ça qui fait. Et dans l'autre jour, on t'a dit n'a poil commencer parler et de nettoyage à l'intérieur si là. Maintenant, si nous voulons considérer un nettoyage interne, un nettoyage à l'intérieur, si nous pas voulons sembler avec pharisiens yo, qu'on y a gain bagay pour nous ta considérer. D'après Isaïe chapitre 55, nous besoin qu'on y a considérer. Premièrement, l'on a parlé de nettoyage au niveau de l'intérieur. Nous besoin considérer premièrement les pensées, deuxièmement les paroles, troisièmement les croyances, quatrièmement les programmations, cinquièmement les installations, sixièmement les tendances, septièmement les désirs. Huitièmement, les mentalités et finalement les conceptions. Donc, nous allons reprendre l'islam pour vous avec un petit genre au ralenti. Si vous avez l'idée pour capable écrire, eh bien, quelques grands points ça y est que yon moun ta doué considérer si vous voulez tout bon gain un changement au niveau de l'intérieur. On dit pour capable gagner un changement au niveau de l'intérieur, premièrement, faut à considérer penser. Deuxièmement, faut à considérer parole. Troisièmement, faut à considérer croyance. Quatrièmement, faut à considérer programmation. Cinquièmement, faut à considérer installation. Sixièmement, faut à considérer tendance. Septièmement, faut à considérer désir. Huitièmement, faut à considérer mentalité. Et neuvièmement, faut à considérer conception. Donc, mais y a une série de bagay que moi-même avais ou nous gagnions en dans nous qu'a passé dans la vie. Tout le monde qui dans la vie. Tout le monde sans exception. Et si un monde voulait considérer un nettoyage au niveau du dedans,
c'est bagay sa yo pou ta mette en tête, bagay sa yo pou ta mette à l'idée. Donc nous sorti lire dans Isaïe chapitre 55 qui ça Isaïe chapitre 55 dit li parler dans verset 8 là de penser directement. Li dit carrément bon Dieu qu'a parlé pas moi un prophète Isaïe, li dit pensez pas nous, pas pensez pas. Ouais, ça c'est un bagage, nous pouvons même commencer à développer li, mais ouais, c'est un bagage qui montrait que si un monde veut nettoyer l'intérieur, faut considérer à faire penser ça, parce que penser ou te fait avec Léo, penser ou te recevoir Léo t'as grandi, penser ou te recevoir l'école, surtout l'école, yo pas penser bon Dieu non, yo pas penser bon Dieu même. Penser ou te recevoir l'église, penser ou te recevoir dans la rue, dans la société côté où t'es levé, dans petit clic côté où t'es levé. Donc penser ça yo tout genwa groupé dans ça que Jésus relé dans Matthieu chapitre 16 des pensées humaines, des pensées charnelles et des pensées diaboliques. Or, mais bon Dieu qu'on y a qui fait une déclaration, il dit pensez pas, pas pensez pas nous. On y a si nous oh pensez bon Dieu, yo, c'est bon penser yo ye. Et si pensez bon Dieu, c'est bon penser. Pensez pas non pas penser bon Dieu, ça veut dire si bon Dieu pensez bon Dieu c'est bon penser, pensez pas non c'est pas bon penser. Qu'on y a ouais pour ta nettoyer l'intérieur là, faut ta va voyer penser pour yo qui pas bon en jeter pour à l'acheter penser bon Dieu. Ça veut dire c'est qualité nettoyage ça ou qu'on est là ou faire un nettoyage. Et en côté, ce qu'ils ont fait, pour retirer tout ça qui n'est pas bon, retirer tout ça qui est sale. Tout ça qui est sale. Parfois, et pas même nécessairement les bagailles là sales, non? Mais les bagailles là, ils doivent être propres, mais depuis le pas bon. Depuis le pas cassé avec eux, depuis le gâté. Donc, ce n'est pas seulement saleté au dehors, mais depuis le bagaille là, pas fonctionnel, le bagaille là, pas qu'à faire service. L'été qu'on fait ou considérer le comme un bagage qui pas bon, ça veut dire qui pas qu'à servir. Et puisque le pas qu'à servir, de pouvoir faire nettoyage ou mettre ça dehors parce que il pas utile. Donc ouais, c'est dans ce sens ça nous dire que eh bien pour gain nettoyage qui fait faut considérer penser, faut considérer parole, croyance, programmation, installation, tendance, désir, mentalité, conception. Bon, bagay sa yo, même si gen liste qu'on ka ajoute a yo toujours, ou ka mette 2, ou ka mette 3, ou ka mette 5 encore, yon l'autre 8 encore, ça pa gen problème là-dedans, mais c'est yon échantillon, quelques échantillons de bagay moi-même avec Abdi là avec lui chaque jour. Tout monde quand la terre pense, tout monde utilise parole, tout monde a vive à partir de yon croyance donnée. Chaque monde gen croyance pa yo. Donc ça veut dire c'est pour question de gen désir ou même ou pas gen désir. Non, nous tout gen désir, nous tout gen tendance, nous tout gen mentalité n'a fonctionné avec les. Nous tout gen yon conception de tel ou tel bagay donné. Donc c'est dans sens ça nous dit si nous chita pour nous considérer bagay sa yo a, et si gen yon changement qui fait au niveau de bagay sa yo non sot site la, mon cher met konnen ou commencer à travailler pour un changement intérieur,
yon changement interne. Parce que bagay sa yo mabdou la, yo pa de yo même. C'est en dan yo ye. Yo pa de yo. Ou songe nan Matthieu 23, ki sa non te passé sous li. Le Jésus te ap traité monsieur pharisien yo de hypocrite. Et puis il y a un bien-aimé qui te pose des questions, lui dit comment yon moun hypocrite. Et puis nous t'es allé dans plusieurs histoires dans la Bible pour nous te montrer ça y aurait les hypocrites. Ou songez, nous t'es parlé de hypocrisie petit Jacob yo. Comment les rois te alors pas roi non, c'est prince là. Les petits rois t'es venu, t'es joint avec Tamar, Dina, c'est pas Tamar, c'est plutôt Dina, petite Jacob là, t'es rencontré avec Dina sous route, les prend Dina de force, les violer Dina, et puis qu'on y est, les final avec Dina la caille, les violer, et puis c'est qu'on y est là, là les la caille Jacob ou la demandé Marie Dina en mariage. Au songer d'après histoire, comment nous te dit aux deux messieurs Siméon avec Lévi, comment ils te répondent à demande Mounsayoua, à demande wa avec prince là qui t'a demandé Dina en mariage pour petite Lia qui t'a pour Alvin wa dans pays là. Comment Siméon avec Lévi avec un sentiment d'hypocrisie. Il te dit monsieur yo pa gen problème pour ça ou mande a, n'a d'accord pour faire ça ou vle a, n'a d'accord pour nous marier, mais seulement gen yon ti condition nan bagay la, et ti condition hein, c'est que c'est pour d'accord pour moun poyo pour yo circoncis pour yo vin converti tankou et nous même, parce que nous pa ka marié, non pas ka bay petite fille, non petite garçon non yo pour marier ak moun ki pa circoncis. Bon Dieu pa vle ça. Et les monsieur yo tande ça, kon y a yo kwè son bagay sérieux, yo tombe fè publicité nan ville pa yo pour yo mande pour tout moun monte l'hôpital pour y al circoncis. Nan époque ça, pa te gen l'hôpital bien sûr, mais yo te kon konsiri de couteau ki fait ak wash. Et puis c'est avec jan de zouti sa yo a, mon cher, yo circoncis d'un pis garçon ki ka kampe. Et puis c'est garçon ki ka kampe pou goumen nan la guerre, garçon ki ka kampe pou défann yon patri. Tout monsieur sa yo en bas opération. Et pa te gen anesthésie pour mon nan fin opéré, et puis même côté a pour yo voyer aller la Kylie, parce que il gen grain boudou lèl gen ceci gen magnopirol gen ceci cela. Donc c'était fin circoncis, et puis pour un nombre de jours que ça mandé en vent pour capable guéri pour retourner dans service normal. Eh bien les monsieur te suggéré ça pour permettre yo ka marier Dina avec petit roi, kouem souvle, bagay sa, c'était yon acte hypocrite que l'te ye, parce que en dan fon cœur a yo, yo te gen yon ban mauvais pensée, mauvais l'idée nan tête a yo, de sa ya pou al fè. Ouè, hypocrisie a caché mauvais pensée yo en dedans. Pendant que de yo yo bay belle figure. Bon, konye a, si monsieur sa yo te gon changement en dedans, est-ce que pendant y a ba wa a tout petite li a belle figure, belle visage sa, belle welcome, belle réception sa, est-ce que si yo te gon changement en dedans, est-ce que yo tap gen qualité mauvais plan sa, mauvais l'idée ça nan tête yo? Non, assurément non. Donc c'est ça qu'il faut wè, monsieur sa yo, c'était moun bon Dieu yo te nan famille bon Dieu, papa yo c'était un serviteur de Dieu,
papa yo te levé yo grandi yo nan question bagay bon Dieu, mais ça pas empêché en dan yo pate nettoyé. Donc ça fait jodi a nou ka comprendre que ou gen droit bien boulé avec yon moun jodi a ou gen droit pou lò wè moun nan yon bo bel figure, ça pas empêché que penser plan qui nan kèl a yo réellement pas belle. Et pourtant, li pa montre ça nan visage. Nou te pran l'autre deuxième histoire encore qui révélé ça yo relé yon attitude hypocrite. C'est le, eh bien, petit David là, Amnon, te violé Tamar, yon l'autre petit David. Et puis qu'on y a Absalom qui frère à Tamar, même maman, même papa avec Tamar, eh bien, il te gen l'idée pour le venger. Mais avec une attitude hypocrite, il pas montré que il gen l'idée pour venger. Au contraire, il montrait que tout va bien, tout est normal, pas gen rien, ça a passé. Et pourtant, ce qui s'est passé, pendant 2 ans, il kembe yon vieux sentiment de vengeance nan ke li pa metel dehors 2 ans, li pa montre frère rien, li pa montre papa li gen li venger. Après 2 ans, li fait yon fête, li monte yon complot, et le tineg la, le grand frère vin nan fête la, parce que yo te même papa, yo seulement pa te même maman, li bay l'ordre pour monsieur kap servi boisson yo pour yo tuer grand frère après 2 ans. Mais est-ce que t'es jamais montré ça dans visage li? Non. S'il t'est montré ça dans visage li, s'il t'est montré grand frère ay gon coup pour li, s'il t'est montré frère ay kembe l'ennemi, frère pa t'ap vinn nan fèt li, frère t'ap konnen c'est l'ennemi li, pa t'ap vinn nan fèt l'ennemi li. C'est ça qui veut konnen l'vinn nan fèt frère li, nan fèt zanmi li. T'es gon bagay ki t'est passé, c'est vrai, mais elle pensait tout est fini. Tout est fini. Et pourtant, ce qui s'est passé, tout bagay paté fini. Donc, c'est ça yore le yon attitude hypocrite. Kon yè a nou di, yon moun ki gen yon telle attitude kon sa, c'est yon moun an dan pa nettoyer. Parce que le an dan nettoyer, tout sa ki an dan qui pas doué là toute qualité vie pensée y a sorti. Besoin qu'on ait qui qualité vie pensée que l'homme gagne en dedans qui besoin sorti. Jésus bayon exemple de yon bonne vie pensée que l'homme gagne dans que li dans tête li qui besoin sorti. Dans Matthieu 15, eh bien verset 20, Jésus dit gagne yon bonne vie pensée fait moun mal. Penser adultère, penser voler à faire amour, penser tuer moun, toute pensée ça yo, c'est yo qui fait l'homme pas propre. Est-ce qu'on connaît même bagay ça, c'est ça qui a passé? C'est pas seulement nan moun qui veut venger qui gen mauvais pensée, non, yon moun qui noua gen mauvais pensée nan tête li pou le fait on bagay ki mal et puis il pas jamais kite moun konnen ça. Premièrement, kou a ka bay ni avant ni après. Puisque nous saute parler de histoire David, on nous garder qui attitude hypocrite que David te gagné, pas vrai, à l'endroit de Uri, yon soldat qui te nan l'armée li qui t'a goumen pour li pour défendre la patrie. David gagne un soldat, yorele Uri qui allait dans la guerre. Uri paté moun pays a, c'est acheté ou té acheté Jean de monsieur sa yo pour yo vinn goumen parce que c'était gros guerrier que yo té. Kounya Uri lui-même qui soldat, elle a venir vinn ak toute madame, li vinn servi la patrie. L'elle venir pour servir la patrie de David. On y a moment arrivé pour aller dans la guerre. On est allé dans la guerre en Irak.
Qu'on y est, les monsieur dans la guerre, il quitte madame ni la caille. À moi, je connais David, ou connais en pile dans militaire, surtout dans le grand pays qu'on est à nous, dans militaire, côté où mette militaire, ou connais, ou mette dans la caille familiale, côté que yo tout préparé, yo tout pré base là, et yo ba yo droit pour yo vivre ensemble avec famille yo. Qu'on y est, c'est que ça passe. Côté David Retea, c'est dans même aux alentours que en pile en militaire ça a été rete avec toute madame yo. Et puis qu'on y est, David, ouais, madame à monsieur a cap bien, li voye chercher, li coucher avec. Est-ce que c'est entente yo te gagne, ou bien c'est violer de violer dame non, ou bien c'est forcer de forcer? C'est que David tombé dans péché avec Fia. Bon, qu'on y a action en fait. Est-ce que David t'est déjà gain pensé à? Non pas qu'on est. Seulement, David ou Fia, les vins gain désir là avant ou après le Fia, parce que le gain a toujours gain désir pour n'importe fille, mais pas de connaître si c'était fille ça. En tout cas, il ou Fia désir à venir pour lui, lui tomber dans péché avec Fia. Mais là, côté action hypocrite David là, c'est que le David fin fait ça, monsieur a toujours dans la guerre, toujours jusqu'à présent où est la guerre pas duré 2-3 jours. Un monde qui nous aller dans la guerre, il fait 1 an, 2 ans, 3 ans à cantonner. Dans zone là, il pas jamais cantonner la Cali. Donc on y a 2-3 semaines passées, mois passé, fille vient annoncer David que lui enceinte. Qu'on y a David senti que bagay ça a trop l'aide pour lui pour l'alba explication. Si ma mari, madame nan vini, il m'a dit pour enceinte, de que l'aime d'aller ou pas de enceinte, pour qui moun, qu'on y a trop causé à poil de yo, David besoin yon ti feuille pour le capable couvrir ça. Qu'on y a David pas joint feuille dans zone côté lié à pour le couvrir ça, qu'on y a livre. Voyez al chercher soldat qui était dans la guerre comme si walié il gain tout droit et voyez chercher soldat fait vinn côté tout de suite les soldats vini les montrer soldat que bon mon cher ou dans la guerre ou travail dur ou besoin un petit moment de repos familial m'a boyon break m'a boyon break pour 2-3 semaines après ça ou aval la caillou ou prendre plaisir avec madame mou. Et puis après ça, on retourne la caillou. Maintenant, gros service à David te montré, li vle rend monsieur. C'est qui qualité service li te souple? C'est un service hypocrite, son attitude hypocrite. Li montré que li concerné de monsieur qui dans la guerre cap fatigué. Kounia, c'est le moment pour la lakali, pour la reposer. Ça, c'est attitude apparente là. Et pourtant, l'essence de cette attitude, c'est que l'été besoin servir monsieur a comme yon feuille pour couvrir gagot là que le faire. Parce que depuis monsieur a talé lakali, même s'il te font seule soirée avec madame ni, madame ni ta pral voye dil après 15 jours que li enceinte. Donc, comme ça, bagay la tap couvri. Mais, est-ce que c'est intuition monsieur a gagné? Est-ce que son sinas que monsieur a gagné? Est-ce que c'est logique ma monsieur a ki ou comme ça? Ou bien ki sa passe? Yo voye monsieur a la kali, monsieur a dit non, m'pa ka permettre moi a la kali moins pour mal prendre plaisir avec madame moins. Parce que tout monsieur ça est dans la guerre, la patrie en danger, ce n'est pas le moment. Et qu'on y a, monsieur parle la kaeli. Mais là ça, monsieur te gen tout bon sens li sou li. Le David ou monsieur gen bon sens y parle, David dit qu'on y a, la poil passe monsieur en Batafia, qu'on y a David fon fête, et plein monsieur avec Tafia. Malgré monsieur sou, David voye la kali qu'on a il pas aller toujours. Bon, on a dit me sauvele. Mais vent a fait monter, mais monsieur pas voulait ba David un petit feuille
pour David couvrir gagote que le défait. Qu'on y a, David mettait vraie intention lié dehors. David voyait monsieur retourner sur le champ de bataille, il bayon lettre d'autorisation. Le monsieur pote lettre là aller ba commandant général en chef là, eh bien lettre là son lettre de condamnation. Lettre là dit nèg sa wè là son homme c'est seul goumen il voulait dans la vie. Dévoyé monsieur la Kaili pour la reposer, monsieur pas veut reposer, monsieur dit c'est bataille besoin bataille. Donc tant pour s'il plaît, mettez monsieur dans position pour le bataille. Mettez monsieur devant face en face avec l'ennemi. Et l'ennemi a avancé sous lui, pas ba monsieur Bakop, rallé bak quitter monsieur mourir sur le champ de bataille. Donc message relé en action hypocrite. Ça veut dire David te gen an dan ki pa te change, an dan pa te bon, pense ki te nan tête David pa te bon, malgré le te montre et son bon chef d'état qui voulait le bien de ses soldats au point que les rale en soldat sur le champ de bataille pour le voyer le reposer la caille. Mes amis, quel bel geste! Quel bel geste! Quitte le président de la République Kounia, ta va mander le commandant en chef de l'armée qui est dans la guerre pour voyer en douzaine de soldats, voyer pour y prendre vacances la caillou. Mes amis, moun sa yo tap fait combien au nom du Père? Parce que là yo en bas sur le champ de bataille, non seulement vous comprenez toute bagaille pas marché, mais c'est toute la journée yo stressé, faut yo sou goumen, yo ceci, yo cela. Donc corps yo pas en paix, l'esprit yo pas en paix. Ou ta joué un chef d'état qui ralo sur le champ de bataille pour aller faire 2-3 jours avec famille, mon cher. Ah, ça tapion bien national. Et pourtant David pas te fait avec un cœur bien disposé. David pas te fait pour un bien national. David pas te fait parce que le terrain main soldat, ni le devle protéger soldat, ni que le terrain main madame. Non, non, il fait pour couvrir gagote. Kounye a que monsieur te vle faire avec un premier idée hypocrite pour couvrir gagote. Kounye a yon nek la dim papa nek fey pour yon couvrir gagote yon fey. Kounye a monsieur voye nek la avec yon lettre. Comme si dire son commission yon baye pour le bas chef la mea. Et pourtant c'était lettre condamnation. C'est comme si vous n'avez dit non seulement David fait double péché, mais David doublement hypocrite. Ça veut dire action hypocrite li a te paraître de côté. Premièrement, il paraît le fait que te voulait voyer soldat la calé, mais c'était pour couvrir un bagage pour lui. Ça c'est première hypocrisie. Deuxième hypocrisie, les voyer nèg la konlèt comme si dirait son message la pour le voyer ba commandant et pourtant c'est nèg la voyer mourir. Bon, qu'on y a avec bagage ça yo. Nous obligés dit ouais si yon moun pa gen bon an dan, si pense ki nan tèt a yon moun, pense ki nan cœur a yon moun pa droite, même sou gen bon dehors, même sou ap ba moun belle figure, kwè m sou vle c'est pour gré merci. Donc pour raison ça, nous vle fon ti chita pour nous considérer avec ou plusieurs éléments sa yo, mais qui chita en dedans. Baga sa yo ba de yo non? En dan yo. En dan yo. Donc, tant pis souple, souple fè bon Dieu plaisir, souple yon changement nan la vie ou, kon y a pas seulement veye bagay au dehors, en nous commencer veye bagay au dedans. En nous commencer veye penser qui nan tèt an. Si pense ki nan tèt an nou pa normal, et ki le pense ki nan tèt an yon moun normal, eh ben mte dou sa oui, mte fon raisonnement avò pou montre ki le pense ki nan tèt an yon moun normal. Pense ki nan tèt an normal, le pense a menm bagay avèk pense ki nan tèt an bon Dieu. Men si pensée qui n'en tête là pas même avec pensée qui n'en tête à bon Dieu
Et penser qui n'en tête à bon Dieu à zile qui bon, ça veut dire penser qui n'en tête là pas bon. Ça veut dire pour penser qui n'en tête là bon, faut le sembler avec penser qui n'en tête bon Dieu. Ça veut dire ou même pour qu'a commencer faire propre examen, propre analyse. D'un pour qu'on pense dans tête pour faire un bagage, pour dire un bagage, pour régler un bagage. Et pour l'organe penser à où est l'organe dans la Bible, c'est par contre sa pensée bon Dieu y est dans la Bible ou à connait immédiatement pensée qui dans tête là, c'est pas un bon pensée. Mais ouais, on est à ça mander pour qu'a connait si pensée pour là son bonne pensée, faut qu'a connait la pensée de Dieu et pas gain l'autre côté qu'a connait la pensée de Dieu sinon que dans la parole de Dieu. Donc, en nous apprendre dans la parole de Dieu la pensée de Dieu pour les nous gain pensée dans tête en nous pour nous marcher yo, si nous elle marcher avec pensée bon Dieu a, il bon, s'il pas marcher avec pensée bon Dieu a, il pas bon. N'a pas un exemple pour nous terminer. Dans Matthieu chapitre 16, Jésus te dit monsieur disciple, mais qui pensait qui dans tête moi m'a quitté nous là moi gars pour monter Jérusalem l'aime monter Jérusalem m'a souffri y a tué m'a mouri en haut 3 jours m'a ressuscité. Pierre dit penser ça il va bon penser même il va bon penser. Non pas d'accord avec penser ça même penser mourir qui dans tête là non pas d'accord avec elle même. Jésus dit Pierre sou pas d'accord avec penser qui dans tête moi ou li penser qui dans tête là c'est dans Satan li sorti oui. Comment expliquer ça? Penser qui était dans tête à Jésus a c'est bon penser parce que c'est bon Dieu même qui t'a voyé Jésus sur la terre pour venir sauver nous. Et comment l'a sauver nous en faut souffrir, faut mourir, faut enterrer, faut ressusciter. Ouais, puisque penser bon Dieu c'est pour Jésus venir pour le grandir, pour le souffrir, pour le mourir, pour le ressusciter, pour le monter dans le ciel. Penser Pierre dit venir en là-dedans même mourir à pas là-dedans immédiatement penser ça vienne pas penser bon Dieu qui pas penser bon Dieu parce que s'il te penser bon Dieu il tape d'accord avec tout ça que penser bon Dieu dit Jésus t'est venu pour faire. Donc ou ka connaît si penser que dans tête là son bon pensée ou bien s'il pas un bon pensée mais faut connaît penser bon Dieu seul côté ou ka jeune penser bon Dieu c'est dans la Bible. En nous étudier la Bible, la parole de Dieu, pour nous connaître la pensée de Dieu, et là nous connaître la pensée de Dieu, n'a matché pensée par nous yo de temps en temps, pour nous voir qui l'a yo marché, qui l'a yo pas marché. Mes amis, pour aujourd'hui, nous croyons cela, nous rester, nous espérer que bon Dieu bénisse, nous va et rencontrer encore et en l'autre pour nous capable continuer. Avec un élément important ça yo que moi-même avais besoin considérer pour nous capable gain un nettoyage qui fait au niveau du dedans. Pour qu'on y ait, n'a pas le temps de quelques questions que ou gain non. Donc puisque 1 Jean 1 verset 9 dit la pensée de Dieu c'est que depuis nous confesser péché nous les fidèles et justes pour le pardonner nous et pour le purifier nous de toute iniquité, qu'on y a l'ayon l'idée vine en tête en nous, les Satan mettez-on l'idée en tête en nous, pour dire comme ça, nous pas même besoin de demander pardon, bon Dieu pas pardonner nous, parce que nous trop dur, nous trop ceci, nous trop cela, penser ça, il pas penser bon Dieu. Parce que penser bon Dieu dit si nous confessons péché, la pardonnez-nous.
Si nous pas confesser péché, qu'on y a le pas pardonné nous, mais si nous confesser péché, la pardonné nous. Qu'on y a n'importe pensée qui vient qui d'où même si vous confessez péché ou pas pardonné, qu'on y a ou qu'à comprendre que penser ça n'est pas même avec la pensée de Dieu. Donc c'est comme ça, il y a un monde qui a même pensé avec bon Dieu. C'est la Bible qui dit mais qui pensait bon Dieu. Qu'on y a ou même ou voulez faire façon la Bible pensée à même gens avec ou même gens pensent. C'est ça, nous avons comme réponse pour comment ou qu'a fait penser ou vin même gens avec penser bon Dieu. Parce que ordinairement, penser pas nous yo charnel. Ordinairement, penser pas nous yo pas même gens avec penser bon Dieu. Tout dépend de dans qui caille nous t'es levé, tout dépend de dans qui l'école nous t'es passé, tout dépend de dans qui l'église nous t'es passé. Tout dépend de qui zanmi nous te gagné, dans qui société nous te levé. Donc nous gon bonne pensée dans tête en nous que nous prend tout au long de la vie. Et les nous point yo a nous te pensé yo bon, c'est les nous vinn connait à devant la Bible, nous vinn ouais, semblé yo pas trop bon passé ça. Donc on a faut gon nettoyage qui fait pour nous retirer pas bon yo, pour nous mettre bon. Et qui ça me dit d'où qui bonne pensée? Pensée bon Dieu, bonne pensée. Vous n'avez pas besoin de réfléchir sur ça. Toute pensée bon Dieu, bonne pensée. Donc toute pensée que moi-même avais ou t'avais gagné, qui semblait avec la pensée de Dieu, on met classé comme bonne pensée. Mais toute pensée que moi-même avais gagné, qui pas marché avec la pensée de Dieu que nous voyons dans la Bible, on met qu'on a ça, c'est mauvaise pensée. Et toute mauvaise pensée ça yo, on besoin des guépillots, voyons aller pour nous faire place pour les bonnes pensées de Dieu.